Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. Une chicane entre un homme et une femme a très mal tourné à Rouyn-Noranda. L'homme s'en serait pris à la femme dans une résidence du secteur McWaters. C'est tôt samedi matin. Le suspect a comparu cet après-midi au palais de justice de Rouyn-Noranda. On en parle avec Marc-André Bouliane. Marc-André, l'individu fait face à de nombreuses accusations. Oui, je vous rappelle d'abord les faits. Il y a eu altercation entre Sylvain Deschênes et la présumée victime. La dame a été blessée et elle aurait réussi à s'échapper pour aller se faire soigner ses blessures à l'hôpital. À la suite de l'altercation, l'homme a été recherché pendant près de 24 heures par les policiers. Et avant d'être arrêté hier matin, Sylvain Deschênes a comparu cet après-midi pour 8 chefs d'accusation, entre autres voies de fait graves et menaces de mort, séquestration ou avoir saisi de force la présumée victime. Également, il aurait brisé une condition d'un dossier précédent où il lui était interdit d'harceler la présumée victime. Cet après-midi, la procureure au dossier, Marie-Chantal Brassard, s'est objectée à sa remise en liberté. Alors, Sylvain Deschênes reste détenu jusqu'à sa prochaine comparution, qu'elle a été fixée à mercredi prochain. À sa sortie de la salle d'audience, Deschênes a été très émotif, passant de la colère à la tristesse. Il a déchiré ses feuilles devant la juge pour ensuite éclater en sanglots. Marc-André, Sylvain Deschênes a également fait l'objet d'une recherche sur les médias sociaux. En fait, c'est que c'est le beau-père de la présumée victime qui a mis une photo du suspect sur Facebook. À ce moment, Deschênes était toujours recherché par la police. Sur l'avis de recherche, le beau-père de la femme a brièvement expliqué les faits afin d'obtenir de l'aide de la population pour retrouver Deschênes. C'est donc 17 000 personnes qui ont partagé la publication qui a rapidement fait le tour du Québec. Merci, Marc-André. Je vous en prie.